ça, c'est le voisin d'en dessus, là, si on monte trop. D'accord, oui. Ah bon, alors attends, je vais l'amener. Non, je vais l'amener. Je vais l'amener dans mon sac. Donc, on va mettre un. On va mettre un cordon devant. Oui. Pour très bien. Nickel. On n'aura que ça de droit. On va essayer d'y faire droit. Ça, c'est la porte. Là. Sylvie, le cordon. Ah non. Il est là. Ici. Et le tapadois du. Il y en a qui en bière à griffer finalement. À part celle de Marcel. Celles qui sont sur le bord. Donc là on va. La stabilisation. 60, c'est bon. Alors après, c'est le paradoxe, on démolit. On démolit un mur. Ah, un mur. Donc l'idée, ce sera. Parce que bon, c'est pas évident de trouver de la pierre. En parement. Je crois que c'est bon. Non, il n'y a pas tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Georges, viens signer. Non. Georges, dis Jojo. Ça limite pour votre compte. C'est une association conseil, c'est pour la bonne restauration. Tout le monde a eu. Voilà. Hein? Comment t'as eu l'idée? Ça fait des années. Il s'en est fait une au 20e siècle. De Cabane, tout de suite au début du 20e. Donc, j'aurais idiot que ça en fasse pas une au 20e. Bah oui. Oui, celle de, tu sais, dans les Alpes de Lumière, là, ils en ont fait là-bas, à Salagon. Oui, ils en ont fait. Ah, mais ici chez nous. Là-bas, voilà, d'accord, Olivier. Okay. Voilà, c'est laquelle celle-ci? Quand tu regardes le Simonet en bas, tu vois, t'as un grand chiral. C'est où le Simonet? C'est là-bas? Parce que je pense que c'est Curis. Toi, la limite de Curis, par chemin du chêne. Ah, d'accord. Il y en a une là. Ben oui, c'est notre grand-père qui l'avait faite là. Ah, il y avait déjà le tas de pierres. Hein. D'accord. Ah oui, ouais. Alors, ça ne sert absolument à rien. Ah, c'est elle qui est dans le. Dans, oui, ah, là, c'est. Ça pourrait être un endroit pour les gamins, je sais pas. Oui, non, mais. Alors, voilà, moi j'ai envie qu'il y ait plus de monde possible. Ça va s'étaler sur un an. C'était le mercredi ou le jeudi. De la semaine. Là, il n'y a qu'un tout petit peu de pierre par rapport à tout ce qu'on va. Ah, ouais, ouais. Ah oui, d'accord, c'est tout en ordre-là. Non, mais il faut les trouver. Mais alors, on les a, il n'y a pas de souci. Bon, il faut les amener. Et oui, voilà. Et puis en plus, bon, il y a beaucoup d'heures de travail. Hein, oui. C'est sûr. Et comme j'ai pas envie d'y passer ma vie non plus. Et puis si on veut qu'il y ait beaucoup de gens qui participent, donc il va falloir vraiment qu'on s'étale sur le temps. Quoi. Honnêtement, je sais pas trop comment encore. D'accord, allez. Celle-ci en long. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y a tout ça. Voilà. Impeccable. Impeccable. Merci. Oh ben, je t'en prie. Tu marques ton nom? Je vais te faire très mal. Quoi? La chance, c'est bon. Pour enterrer. Maintenant, ceux qui bossent, vous mettez. Bah oui, parce qu'il y en a plein qui ont déjà pris leur nom. Et qui n'ont pas bossé. Bravo. Depuis pour la potion. Il y a le progrès. Depuis un peu. C'est bon progrès. Le progrès est en panne en plus. Les photos avant la pollution du site. Ah oui, carrément. Montre le progrès.
Sirette, direct. Ah, directement. Ah, oui. Toujours chez nous, c'est ça, entre 20 et 40 cm. Alors, s'il n'y a pas de commune, c'est rare quand il y a une hauteur de terrain. Très rare. Et puis il y a de l'argile partout. Il y a de la terre de pipe. Ceux qui n'ont pas vu ce qu'on avait enterré dans la boîte, vous pouvez vous avancer si vous voulez. Il n'y a pas grand chose de phénoménal. Hein. Il y a le journal d'aujourd'hui. Il y a un article que Mme Vasque avait fait passer dans la semaine là, pour avertir. Il y a des photos. Oh, je vais vous le sortir. L'inventaire du trésor. C'est quoi la liquidation totale là ? Greffier, noté. Greffier. La liste. Là, des photos avant pollution. Des photos du terrassement. Et puis, ben, c'est tout. Hein, parce que le journal d'aujourd'hui. C'est Joël qui m'a dit qu'il faudrait mettre ici, là. C'est sur Limonest. Ça sert le Nord, ceux qui vont bosser après. Le journal d'aujourd'hui. Et puis, si vous. Il y a notre mère qui est pas là, elle a laissé un bout de son écharpe. Oh là. Si certains d'entre vous veulent mettre leur nom là-dessus, vos descendants seront peut-être contents dans quelques siècles, comme vous voulez. C'est avec un débit différé. Et puis quelques petites pièces de monnaie. Alors bon, je dis, on n'est pas riche. On n'a pas trouvé des. C'est la quête. Oui, en plus, c'est jaune, alors elle va le porter sans doute. Donc voilà. Dans 1000 ans. Oui. Une tablette. Ça sera décrété. Alors, pourquoi une caborne ? Ça sert absolument à rien. Comme depuis très longtemps, je pense que c'était comme ça. Les gens faisaient une caborne parce que leurs ancêtres en avaient fait une. Et ils s'en étaient fait une au 20e, donc on s'est dit pourquoi pas en faire une au 21e. Donc voilà, l'idée, elle est née comme ça. Elle est née il y a longtemps, hein, déjà. Voilà. Donc, si vous voulez, je cite les gens qui vont participer, donc la commune. La Piverte, l'association de Polémieux, et le syndicat des Monts d'Or, qui a gentiment fait le terrassement. Voilà. Et puis qui a prêté les barrières. Et puis après, le chantier est ouvert à tout le monde. Donc comment on va s'organiser, j'en sais rien. J'ai pas envie d'y passer le restant de ma vie ici. Donc voilà, alors, sûr qu'on va refaire un week-end courant juin. C'est bon, il y a des gens qui sont inscrits là pour participer. Bon, aujourd'hui, ce matin, on va pas faire grand chose. Donc on va. Je pense qu'on leur offrira. La caborne. Alors, voilà, bon, alors vous savez, les cabornes, il y avait. Oui, il y a d'autres. Il y avait plein de secrets. Il y avait plein de secrets, entre autres, il y avait des caches à fusil dans certaines cabornes. Oui. Cache à Kalachnikov, ça sera. On fera des bancs. Des pièges cachés aussi, comme la celle de Saint-Romain. Moi, je disais 6-8 places, ouais. Mais c'est 8-10 places au moins. C'est la caverne communautaire. Elle a la forme du terrassement. Ça, c'est l'intérieur des piquets. C'est l'intérieur. En période d'austérité, on a trouvé des centimes. Ah oui, c'est vrai. Ils vont dire des pièces d'or.
Donc, allez. C'est bon? Parce que c'est le seul outil qui a besoin pour faire une cabane. C'est une massette. Ça prend un autre chose. Une massette. Oh, je te marche non, non, truc, non, non, c'est bon, excuse-moi. Pose de la pierre, et puis là après. Astérix. Bah, faut être deux. Non, non mais il faut d'abord compléter la fouille, non? Voilà, on va compléter jusqu'ici, comme on a fait là. Et puis après, on mettra la grosse, et puis après, on y revoit. On va chez vous alors. La grosse elle est de polémieux là. C'est pas du polémieux ça. Hein. Sûrement. Non. C'est pas une pierre jaune ça. Mais on sait bien qu'il y a polémieux et que c'est le truc de Limonest, c'est connu. Ça fait rien, il y en a. C'est peut-être Vincent qui va la découvrir. Ouais, mais le cordon, on mettra pas ça. Ils sont allés la chercher au pire. Allez. Regarde donc. Non, tu la mets directement comme ça? Bah oui, ça reste plus rien maintenant. Donc au milieu, on n'isole pas avec la terre et du foin alors. Les rats viennent dedans. Bon, et elle, et puis on a dans le temps. Des et vous faites un plancher chauffant à l'intérieur? Oui, c'est bien. Plancher chauffant à l'intérieur? Oui, tu vas mettre des panneaux solaires. Moi aussi, d'accord. Ça sera bien dans le pays. Un panneau solaire. Mais tout à l'égout, il ne fallait pas le faire avant. Le tout à l'égout. Il y a une fosse sceptique. Ah oui, dans les fonds du. Voilà, bon. Bon. On va faire de l'autre côté comme ça, on mettra. On va remplir. Il faut les éliminer. Il y en a trop. Ah ouais. Il y a une cabane à Saint-Cyr. C'est en vrai pour les roses. On fait dégager. Quel endroit là? Ouais, bien. Celle de la limite à la jardinière, au-dessus de la jardinière. Ah d'accord. Il y a des trous dedans. Il y a tout. Oui, vers la carrière. La carrière. Moi j'ai remarqué que c'était un indicateur de la présence de la grue. Après, le but, c'est effectivement de. Là, on ne va plus avoir de grosse pierre comme ça, donc on va certainement le faire en deux couches. Quoi. La belle, elle est ici. Il faut d'abord qu'on calme. Vous êtes carré par là. Moi, je me suis mise devant chez mon frère puisque la maison est inoccupée. Ah bah oui, un peu l'appareillage, hein, bon. Oui, bien sûr.
Effectivement, après, ça sera presque tout à l'ombre. Hein, mais bon. Mais ça sent... Autant t'as du mur dans ta réchauffe, non? Starts when the whistle blows. It's a sad short life. We're down and home. 12 tons of coal on a big iron sled. I work all day for a cold hard bed. Now heaven knows where heaven lies. There ain't no gold in a Tennessee mine. Même si l'angle n'est pas d'équerre, bon, après on s'en fout. Oui, bon. C'est un chien là-bas derrière. Bon, voilà. Mais bon, elles y sont, elles y sont. Je veux dire, alors, nous on est un peu moins mieux. C'est utile. Et quand on va travailler dans les galères, voilà. Ça manque toujours. Oui, oui. C'est bien près de Sandra, ça. Mais bon. Là-bas, belle. C'est belle. Et du favoritisme, là. Oh là là. J'ai passé comment ça. Et là, on fait des mini-messes. Bon, on va encore. Ah bon. Allez, je l'envoie. Essaye, mais ouais, plus loin. Plus loin. Plus loin ouais, 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 ok, d'accord. Oui, oui, je comprends, bien sûr. Oui, oui, c'était pas parce qu'on s'en voyait pour la caler, ça n'est pas du tout. C'est un peu comme les hommes, quand ça va pas, on essaye plus loin. Oui, oh, elle est belle, hein. Regarde. Tu vois, là. Non, alors là, au milieu, le trou, faut trouver la bonne.
Là, il y en a une pas mal, mais elle est trop épaisse, celle-là. Trop épaisse. Ouais, elle est trop épaisse. C'est vrai qu'on y va. Ouais. Mais pas mal n'est pas génial. Ouais, c'est exactement ça. Bon, faudra la stabiliser après. Ouais. L'idéal. Celle-là, non ? Non, elle est trop épaisse. Trop épaisse. Ça, ouais. Ça fera en deux, si. Ouais, ça c'est trop épais aussi. Ouais, ça c'est intéressant à mettre devant. Ça, mais elle est fine, il faudra les deux, je crois. Hein, ouais. Voilà, comme ça. Ouais. Là, voilà. Non, mais ce truc est tordu là, c'est un peu chiant. Et puis on va essayer d'en mettre une là qui fasse à peu près l'homme. Il y aura la terre. Là. Par contre, à partir de maintenant, là, il va falloir qu'on monte une arête à peu près. Ouais. Belle. Ah bah c'est là en boutiste, tu vois. Avec la face, c'est pas terrible. Là, celle-là, non, c'était pas celle-là. Elle est pas assez épaisse. Ouais. Ou trop. Un peu épaisse. Bon, l'idéal, ce serait de récupérer ça, là, d'accord. Ouais. Ah oui, la hauteur. À la fin de l'année, on dira elle a toujours été là, c'est bon. Ça. L'année prochaine, on va dire. La végétation aura plus dessus. Il va falloir qu'on enlève le lierre dans 2 ans. Ah oui. Oui, c'est bien possible. Starts when the whistle blows. It's a sad short life. We're down.